J'espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, comme on est lundi, on fait des petites dédicaces. Wow, donc c'est parti. Et petite dédicace à Carlotta Lou, à Malia Kadiri, à Yuta, à Aline, à Shiraz, à Shems, à Shaynes et à Leila. On vous aime fort, merci de nous suivre et gros bisous à vous. Ciao. Ouais, non. Non, moi je préfère mardi, moi. Ouais. Je comprends pas très bien. Jana. Jana, tu peux baisser le son s'il te plaît, je suis au téléphone. Non, lève-toi. Eh, tu baisses le son. Non, lève-moi. Eh, toi, tu désaffaires. Lève-moi. Arrête ta main. Regarde ce que tu m'as fait la dernière fois. Je m'en fiche. Écoute, je te rappelle plus tard. Ouais, désolé. Je suis désolée. Hé, tu me tapes pas. T'enlèves tes claquettes. Arrête. Hé, tu t'arrêtes. T'arrêtes. Non. Non, non, pas tant d'ici, je n'aime plus. Arrête. Non. Voilà, c'était pas trop difficile quand même. Passe le son. Pas de son. Non mais tu arrêtes de couper ça, ça a coûté cher. Oui, tu vas couper les doigts. Tu arrêtes ça. Tiens, prends ça toi. Et tu vas te faire mal avec le ciseau. Va-t'en. Tu vas te faire mal avec le ciseau. Laisse-moi. Lâche. Lâche. Non. Espèce de grosse méchante pourrie. T'es pourrie, toi. T'arrêtes. Tu fais quoi, là? Bon, c'est bon, tu sais quoi. Allez. J'en peux plus. Oui, allô, bonjour. Super Nani. Oui, j'ai vraiment besoin de votre aide, là, j'en peux plus de ma fille. Vous venez? C'est vrai? Quand? Ok, je vous attends. Merci. La, la, la. Diana, tu te pousses. Tu te pousses. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Non, t'es qui? T'es qui? Je ne parle pas aux enfants. Elle est où ta maman? Elle est là-bas. Elle est un peu bête. Hein. Tu ne parles pas comme ça, ma petite. Je suis grande, au final. Et vous, vous n'êtes pas à la mode aujourd'hui. Bonjour madame, vous allez bien? Bon, j'ai entendu quelques bruits déjà dehors. Ah, c'est la petite, hein. Ça commence pas très bien. Oula, c'est un peu le bazar. Je peux m'asseoir juste ici? Là, c'est à moi! Non. D'accord. D'accord. Donc je vais m'asseoir. Bon. Mon rôle, ça va surtout être aujourd'hui d'observer un peu votre vie de famille. Donc j'aimerais savoir où est le papa. Il est au travail, il est là pour une semaine, il est dans un autre pays. Le papa, il est pas disponible tous les jours, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc j'aimerais savoir où tu là, on parle. Laisse-moi. C'est pas toi qui décide. Quand papa il est pas là, c'est moi qui décide. Alors tais-toi. J'aimerais savoir si vous avez que cet enfant. Oui. Oui, et vous avez quel âge, s'il vous plaît? C'est important en fait. 28 ans. Et la petite? De quel âge? 10 ans. Et à 10 ans, c'est moi qui décide. Tu non, as 10 ans? Si, il faut, elle en a 7. D'accord, c'est ton... C'est pas vrai! Arrête! Elle a dit à moi, alors c'est moi qui réponds.
On t'a pas sonné. Et vous, aujourd'hui, vous le vivez comment, tout ça Mal. Très mal. J'oublie ma vie de femme. D'accord. J'oublie que je suis une Elles femme à mal, c'est seule. T'arraches pas ma planche. C'est pas ta maison déjà, c'est ma maison. Ce que je vais vous proposer là, c'est que moi, je vais me mettre, hop, dans ce petit coin-là. Et vous faites comme si j'étais pas là. Voilà. On va faire comme ça dans un premier temps. D'accord. Donc là, voilà, vous faites comme si j'étais pas là. Vous, voilà. Vous faites votre vie. Ok. Pourquoi t'as arraché tout ça là? Laisse-moi! Tu veux manger quoi? Je veux un truc trop bon! Allez, ramène-moi un casse-tête-dedans! Arrête de crier. Arrête, c'est toi qui me crie dessus. Non. Si, c'est toi qui me crie dessus parce que tout à l'heure, je voulais jouer avec la plante et tu m'as crié dessus, tu m'as pas laissé. Alors, allez, et va me préparer à manger un truc trop bon! Ok. Mmh. Oh là là! On va manger à la table. Non, je mange. Ici. Et déjà, c'est dégoûtant. Tu me ramènes un autre truc. Pas que tu me donnes ça. Je veux que tu me donnes un Big Mac. Moi, je veux McDo. McDo? Oui. Avec un gros coca. Non. Demain, t'as école. Arrête de me taper. Ça, c'est qui va le manger? Tu le mets à la poubelle. Ok. Sans des caramels avec des pommes. Non, pas de pommes. Je veux un coca. Je veux des nuggets et des frites. Là, t'as compris ma commande? Oui. D'accord, donc là, vous allez vraiment lui prendre un McDo? Oui, parce que sinon, elle mange pas. Donc, Oui, ce serait pour la commande. Pour une commande. Livraison quoi. Bah oui, vous savez déjà la commande, non? Vous êtes habitué. Ok, on attend ça, merci beaucoup. Au revoir. Allô? Oui, c'est... Oui. Ok, j'arrive, merci. Diana. Oh, ton McDo il est arrivé. Ouais. Diana. Wouh. Donc là elle va manger sur le canapé. Ouais. Elle ne peut pas manger à table? Elle veut pas. Et vous, vous avez déjà mangé? Non. Et vous ne mangez pas? Je vais manger le reste du plat d'hier. D'accord. D'accord. Bon. Écoutez. Il y a quand même beaucoup de choses à changer. D'accord. Valérie, j'ai fini de manger. Attendez. Elle vous appelle par votre prénom? Elle ne vous appelle pas maman? Non. Mais vous êtes bien sa mère? Oui. Vous êtes sa mère maternelle? Oui. Valérie? Valérie? Quoi? Bah voilà, c'est mieux quoi. Ramène-moi un dessert, Valérie. D'accord. Une pomme cueille des bois. Tu croyais que ça c'est un dessert parce que ça c'est une pomme. C'est un fruit. Oui, c'est un dessert. Moi je voulais un dessert, je voulais pas un fruit. Non, je mange pas ça. Mange-toi ça. Eh, ça m'a fait mal. Excusez-moi. Non mais ce n'est pas à vous de vous excuser, Madame Valérie. Je veux un dessert. Je suis désolée mais je vais tout arrêter. Je ne peux pas continuer comme ça en fait.
Donc là, ce que je vais faire, ce que je vais vous proposer, c'est de tout de suite mettre en place mes techniques à moi, mes méthodes à moi. D'accord ? Donc là, ce que je vous propose, Madame Valérie, c'est que je vais rentrer chez moi tranquillement, je vais reprendre tout ça et je vais revenir dans une heure. D'accord ? Il n'y a pas de souci. Merci, au revoir. Là, t'as bien compris que Supernanny était là et que dans une heure, elle va revenir, elle va te mettre des règles. Et si tu ne l'écoutes pas, c'est pas comme maman, hein. Ha ! C'est pas comme Valérie, hein. Eh bien, moi, je m'en fous, j'ai pas peur d'elle. On verra bien. Et puis, si à 15 ans, t'es comme ça encore, tu sais ce que je fais ? Et que ça a pas marché, Supernanny ? J'appelle Pascal, le grand frère, ok ? Pascal, n'importe quelle personne, j'ai pas peur, c'est vous, vous avez peur de moi. Arrêtez. Faut que tu l'écoutes bien, sinon elle va te punir. Eh bien, va-t'en, tu sais, je vais m'allonger. Ah, enfin, un peu de calme. Oui, je rentre, hein, voilà. Voilà. Rebonjour Madame Valérie. Je vais m'asseoir ici et je vais vous expliquer les règles. D'accord. Diana, est-ce que tu pourrais baisser le son s'il te plaît? Non. S'il te plaît, j'ai dit. Non. Tu baisses le son? Non. Ok, très bien. Ou tu baisses le son ou alors tu es punie de la télé pendant une semaine. Tu peux pas me punir, t'es pas ma mère déjà. Alors, Diana, cette semaine-là, c'est moi qui vais décider, d'accord ? Donc, je remplace ta mère pour les décisions familiales. Je comprends rien ce que vous dites, mais comme je m'en fiche, et bah je m'en fiche. Très bien. Tu me donnes cette télécommande. Mmh. Hop. On baisse le son, tu te lèves et tu vas dans ta chambre. Mmh. Et tu reviens que quand tu seras calmée. Allez, tu marches. Allez. On a rien, déjà. Là, tu te mets comme ça. Allez, hop. Allez, tu avances plus vite. Tu te mets là. Tu ne reviens pas tant que tu ne seras pas calmée. Tu ne tapes pas. Toi non plus. Elle croit que j'ai peur d'elle, moi. C'est pas vrai. D'accord, donc vous avez vu ce qui s'est passé là ? Oui. Est-ce que vous êtes capable de faire la même chose ? Oui. Alors pourquoi vous ne le faites pas ? J'ai peur qu'elle soit triste, qu'elle pleure. D'accord, donc en faisant ça, en fait, vous croyez que vous l'aidez ? Parce que elle, dans sa vie future, pardon, elle ne sera pas heureuse, Madame Valérie. Qu'en pensez-vous ? Je vais essayer. Oui. Donc, les règles de la maison, maintenant, on va attendre que votre fille se calme et qu'elle revienne ici. Les règles de la maison, je vais vous les dire. Et ce que je viens de faire là, c'est vous qui allez devoir le faire durant une semaine tant que je suis ici. Okay. D'accord ? Oui. Très bien. On va attendre qu'elle se calme. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'aller la voir. Vous lui parlez. Et si elle est calme, vous lui dites qu'elle peut revenir. Si elle vous parle mal ou si elle vous... Ne serait-ce qu'elle fasse juste ça, vous lui dites toute la soirée, tu la passes dans ta chambre. Tu ne reviens plus. Tu n'as plus aucune chance de revenir. Au moins, elle comprendra que tout à l'heure, elle avait la chance, elle avait le choix de revenir. Là, elle n'aura plus le choix. Donc, allez-y. Je vous attends. Bon. C'est bon, tu es calmée ? Quoi calmer là ? Je suis bien là. Voilà, donc tu... Laisse mon doudou tranquille. Oh, tu arrêtes. Laisse mon doudou tranquille. Diana, si tu continues comme ça, tu pourras plus sortir de ta chambre ce soir. Je m'en fiche, t'en mets pour moi. Ok, tu restes ici. Bon, elle ne veut pas. D'accord, très bien. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Tant mieux. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est donc là, toute la soirée, elle devra rester dans sa chambre. Donc, elle n'aura pas le droit au dessert, parce que vous ne lui avez pas donné tout à l'heure. Donc, elle n'aura pas le droit au dessert. Et si jamais elle vient, ne serait-ce qu'une seconde dans le salon, vous la punissez, parce qu'elle n'a pas le droit. Ok ? Ok. Ça marche. Que se passe-t-il? J'arrive pas à dormir.
T'arrêtes de crier. Je veux que tu dors avec moi, j'ai peur. Non. Tout le temps tu dors avec moi, alors pourquoi ce soir tu veux pas? Parce qu'il y a les nouvelles règles. Ça change. Je veux pas jouer règles. Allez. À demain. Dormir toute seule, t'es une grande fille. Allez. À demain. Merci, c'est gentil. Vous allez bien? Oui, ça va. Ah, alors, comment ça s'est passé la nuit? Ah, il y a eu des pleurs. Il y a eu des pleurs? Maman, des pleurs. Donc moi, je suis liée dans ma chambre. Je n'ai rien entendu pourtant. Ah ouais, bah, vous deviez être dans un sommeil. Hein. Expliquez-moi. J'y suis allée, elle m'a dit qu'elle voulait que je dorme avec elle, et j'ai dit que non. Et voilà, je suis ressortie. Ah, donc vous n'avez pas cédé? Non. C'est très bien, Valérie. Très très bien, je note. Ça me faisait mal parce qu'elle pleurait, mais j'ai réussi. C'est bien. Bravo. Là, aujourd'hui, comment ça va se passer? Là, le petit déjeuner, c'est à table. Ce n'est pas dans le canapé, c'est à table, ici. Pour ce qui est de la télé, interdiction aujourd'hui parce que hier, elle n'a pas voulu respecter ça. Donc, interdiction de télé aujourd'hui. Pour ce qui est... de quand elle vous appelle par votre prénom, c'est interdiction. Maman, c'est tout ce qu'elle... C'est comme ça qu'elle peut vous appeler. Maman, c'est tout. Vous lui interdisez de vous appeler Valérie. Donc, pour le midi, vous lui donnez à manger ce que vous voulez. Pas de McDo, pas de... Voilà, vous faites à manger vous-même, comme hier. Et si elle ne veut pas manger, tant pis pour elle. D'accord? D'accord. C'est simple. C'est quand elle aura vraiment faim, elle viendra manger. D'accord? Elle ne se laissera pas mourir de faim, ne vous inquiétez pas Valérie. Ça marche? Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Maman qui accepte tout, ça va être interdiction aussi. Maman, elle n'accepte pas tout. Maman, elle accepte que certaines choses dont elle, ce qu'elle veut en fait. Vous, des fois, vous ne voulez pas, même souvent, et vous acceptez. Interdiction. Aucune ne mange en même temps. Interdiction. On mange à table en même temps. La maman mange avec sa fille. Chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir. D'accord? Il est 10h44 et elle n'est toujours pas réveillée. C'est interdiction. Interdiction. Donc même le week-end, tout ça, les vacances scolaires, tout ça, 9h. Et puis si elle va à l'école, je pense qu'elle se réveille plus tôt encore. Voilà. Donc 9h, le réveil. Le soir, pour dormir, c'est 21h. 21h, c'est le coucher. Interdiction du portable, de la tablette, de la télé ou d'autres écrans. 21h. D'accord? Elles sont très bonnes ces dates. Bonjour. Bonjour Diana. Bonjour. Valérie, ramène-moi mon petit déjeuner. Valérie, trouvez-moi ces trois erreurs et corrigez-moi ces trois erreurs. Je vous écoute et je vous regarde. Tu m'appelles pas Valérie, tu m'appelles maman. Mais je fais ce que je veux. À ce moment-là, Valérie, ce n'est pas de la faute de Diana, mais c'est de votre faute. Venez ici que je vous explique. Je vais par exemple vous demander... Valérie, donnez-moi ce téléphone. Vous n'allez pas me prendre au sérieux. Mais si je vous le dis, Valérie, donnez-moi ce téléphone. Là, vous allez plus me prendre au sérieux. On est d'accord? Donc là, vous allez recommencer et vous allez lui parler fermement et vous la pointez du doigt. Elle n'aura pas le choix que de vous écouter. D'accord? Allez-y et soyez ferme. C'est vous la maman, c'est vous qui décidez, Valérie. Diana, tu baisses le son. Tu baisses le son. Tu m'appelles pas Valérie, tu m'appelles maman. Compris? Oui.
hier, t'as pas été sage, donc maintenant, aujourd'hui, t'as pas le droit à la télé. Et à partir de maintenant, tous les repas, que ce soit déjeuner, tout ce que tu veux, c'est à table avec moi. Et tu manges ce que je te fais. Allez, on va prendre le petit déjeuner. Tiens. Allez. C'est quoi? Des céréales. J'en veux pas. C'est toi qui les as prises aux courses. Je veux pas. Tu veux manger quoi? Une glace. Une glace le matin. Le matin, une glace. Écoute-moi, Diana, il y a un temps pour tout, d'accord? Tu pourras manger une glace à 16h tout à l'heure au goûter. C'est pas à 15h? 16h. Non, je veux pas ça, je veux une glace. Tu manges ça? Non. Je suis gentille avec toi, je te demande gentiment de manger ça. Non. Tu manges ça et il n'y aura non. pas autre chose. Donc tu n'as pas le choix. Non. Si. Non. Si, sinon, cette petite poupée, elle va directement à la poubelle. De toute façon, j'en ai plein, des comme ça. Oui, bah tout est joué. Ils iront à la poubelle. Oui. Oui, tu manges ça. Tu les as pris aux courses, maman, elle a dit que tu les avais pris. Donc tu en manges. Et tu n'auras pas cette poupée tant que tu n'auras pas fini ton bol. Vous voyez ça, vous devez avoir la même méthode de travail. C'est-à-dire que si elle tient quelque chose, par exemple elle tient cette poupée, vous devez lui mettre un dilemme. Ou tu manges ça, ou tu n'auras pas ça. Ou tu fais ça, ou tu n'auras pas ça. Au début, ça va être que ça. C'est comme ça. En fait, il faut négocier avec l'enfant. Après, plus tard, dès qu'elle comprendra, il n'y aura plus besoin de faire tout ça. Vous lui direz, ne mange ça, elle le mangera. D'accord? Bon, Dani, j'ai fini, je veux ma poupée maintenant. Tenez. Je vous laisse lui donner. Ouais. Et on dit quoi? Et on dit quoi à maman? Vous dites quoi? Et on dit quoi à maman? Vu qu'elle t'a donné la poupée, on dit quoi à maman? Merci pour ça. Et merci aussi pour la poupée. Je ne veux pas dire merci pour la poupée, c'est vous qui me l'avez pris. Merci maman. Et vous lui répondez aussi? De rien. Et arrêtez d'être comme ça. J'ai l'impression que vous êtes pas trop dedans. Vous y croyez pas, Valérie? Si. Non, vous êtes trop en mode je m'en foutiste. Ne soyez pas comme ça. D'accord? Qu'est-ce que tu fais là? Non, 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 non. Non, mais c'est n'importe quoi ça. On t'achète des jouets pour faire ça? Oh là là, c'est bon, confisqué. Papa! Je te tais! Je te tais! Ma poupée! T'es puni, allez, lève-toi là. Allez. Ma poupée! Tu arrêtes? Ma poupée! Bon, allez, t'es puni. Tu es puni, tu comprends? C'est pas possible ça! Allez, lève-toi! Allez, hop, je te mets au coin. Ici, et tu bouges plus. Très bien. Je t'entends plus. Hein. C'est bon. Si t'es calmé, tu reviens et tu demandes pardon à maman. Sinon, si t'es pas prête à ça, tu ne reviens pas. Voilà. Tu arraches pas les feuilles, Diana. Bon, allez. Tant pis. Tu te mets ici. Voilà. Voilà, tu restes ici. Non? Tu restes ici. Comme tu ça. Tu ne touches à rien. Comme ça. Tu touches à un truc de toucher, un jouet de perdu. Voilà. Maman, je veux demander pardon. Tu m'excuses. Tu vas arrêter d'être méchante? Oui. Ok, bien. Comment ça? Diana, tu viens? Je veux te parler 2 minutes. Écoute. Tu sais, pour maman, c'est pas du tout facile en ce moment. D'accord? Donc si tu l'aides pas, là, elle est dans l'eau.
Tu vois, ta maman, c'est comme si elle était dans l'eau. Si tu l'aides pas, elle va aller sous l'eau. D'accord? Donc là, ce que toi tu dois faire, c'est aider ta maman. Et comment tu peux l'aider? C'est en l'écoutant et en respectant ce qu'elle te demande. D'accord? D'accord. Et ce sera pareil pour papa. D'accord. Tu aimerais que maman elle soit comme toi tu es avec elle, avec toi? Tu aimerais qu'elle te crie dessus, que dès que tu lui fais un dessin, elle le jette, elle s'en fout, elle soit méchante avec toi? C'est bien d'être une enfant comme ça? Tu aimerais que toi, tes enfants, ils soient pareils avec toi? Ben alors voilà. Alors on se met à la place de l'autre personne à chaque fois. D'accord? On se met toujours à la place de l'autre. Et on se dit, est-ce que si quelqu'un me fait ça à moi, comment je serai? Comment je le prendrai? Fais un câlin, Madiana. Et tu me promets d'être plus méchante et d'être une gentille petite fille? Bon, moi ma mission elle est terminée. Je vais vous laisser en famille, profiter de votre nouvelle vie. Je m'en vais. Merci. Au revoir. Merci d'être venue, super mamie. Au revoir, à bientôt. Non, j'espère pas à bientôt. C'est parce que si je reviens, c'est parce que tu as été méchante. Ah oui. Mais à bientôt au téléphone. Je vous appellerai. Au revoir. Alors, on regarde un film. Oui, demoiselle du téléphone. Regarde Heidi. Oui. Heidi, allez, c'est parti. On va me mettre ça à la télé. D'accord. Maman, je t'aime. Oh là là, la catastrophe. Ah non, mais là, il faut que j'y aille tout de suite. Non, je ne peux pas laisser cette famille comme ça, ça devient n'importe quoi. Leur famille va être terriblement mal. La petite qui tape sa mère, oh là là. Ça me choque vraiment. Waouh. Bon, je peux pas regarder plus. Je vais y aller tout de suite et je vais régler tout ça. C'est bon, ça fait 15 minutes de téléphone, c'est assez. C'est assez. Tu me donnes ce téléphone. Je vais t'en mettre une autre, je te le dis. Tu te prends pour. Et tu ne cries pas de. Et tu tapes pas ta mère. Tu te fais. Interdit de parler. Allez, tu vas pleurer là-bas. Je m'en fous. Là-bas. Allez. Tu me saoules, j'en veux plus de toi. Je vais appeler ton père. Tais-toi! Tu lâches ça? Là? Oh! Tu lâches ça? J'en peux plus! J'en peux plus! Tais-toi! Tu te tais! C'est moi qui décide, pas toi! Tu décides pas! C'est moi qui décide! Non, pourquoi tu décides toi? Pourquoi? C'est qui? Tu arrêtes. Ok. Mais c'est moi qui ouvre. Pas toi. Oh,
Ça fait quoi là? J'arrête. Moi aussi je peux le faire. Calmez-vous. Non. Arrête. Calmez-vous. Ah calmez-vous. Allez, stop. Allez, stop. Eh oh, moi, je ne vous ai rien fait à toutes les deux, hein. Madame, vous êtes l'enfant ou vous êtes la mère? J'en peux plus. Non, mais vous ne criez pas dessus. Écoutez, il n'y a pas qu'un seul enfant ici, il y a deux enfants. Moi, on m'a appelé pour un enfant. Donc, je ne peux pas. Vous m'écoutez, madame? Ne vous consolez pas avec le sucre. Je vous laisse, je vais observer. Non, plus personne ne jette. Alors toi. Écoute-moi, écoute-moi. Tu ne fais pas ça, d'accord? Tu peux faire tout ce que tu veux, écoute-moi. Hey, tu viens de faire quoi là? Tu viens de me donner une gifle et tu viens de faire tomber mes lunettes? Arrête de parler! Vous arrêtez de crier, madame, parce que ça me fait mal aux oreilles. Tu t'excuses tout de suite! Tu sais comment on s'excuse? Non, non, c'est sûrement pas en tournant le dos! Tu t'excuses! Sinon, tu montes dans ta chambre et tu ne reviens plus! Voilà! Allez, on oublie ça! On en reste là! Je surveille. Allez, je vous observe. C'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Je vais étendre le linge. D'accord? Au revoir. Vous faites attention. Elle n'a pas l'air. Tu as trop mangé de chocolat. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Et tu ne jettes pas. Tu le reprends et tu le ramasses comme il faut. Je peux rentrer? Bien. Dans combien de minutes? Parce qu'il fait froid. 15. Ok. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Oui, vous pouvez rentrer, c'est la porte elle est ouverte. Mais pourquoi tu veux pas qu'elle rentre, ta mère? Elle doit d'abord dire s'il te plaît. Non, elle ne dit pas ça. Rentrez, madame. T'arrêtes. Tu me tapes en plus. Pourquoi vous n'êtes pas rentrée? La porte était ouverte. Parce que je dois attendre qu'elle me demande, enfin qu'elle me dise de rentrer. D'ailleurs, t'as refait tomber le chocolat, toi. Comment ça? Sinon, je reste dehors pendant 15 minutes, voilà. Et vous trouvez ça normal? Bah, sinon elle pleure. Alors bon, si je dois rester 15 minutes dehors pour pas qu'elle pleure, je le fais. Vous êtes bourré? Hein? Non. Et parce que vous parlez comme une bourrée. Ah non, c'est mon accent. Ah d'accord. Je suis bourré? Bon, j'y vais. C'est bon, je suis prête. De quoi t'es prête? Bah, on y va. Non, toi tu restes ici avec ton père, je vais chez le médecin. Non, moi je reste. Non. Si moi je viens pas, toi non plus. Personne n'y va. Et toi, méchante. Tu arrêtes. Bon, vas-y, d'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mon petit chien. Bon. Je t'attache. Donc tout le monde chez le médecin. Non. Assis. Allez. Non. Assis. Non. Alors, je veux pas te faire sur là-dessus, mais moi je vais t'attacher. Non. Tu vois. Non. Hop. Avec moi, tu me connais, hein. Calmez-vous, calmez-vous. Hop. Calmez-vous. Oh, je suis calme. Oh. Je te détache pas parce que regarde-moi. 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 Crie pas. Regarde-moi. Arrête de crier! C'est moi qui crie le plus fort entre nous deux, alors tu te tais! Allez, tu restes comme ça. Détache, tu sais ce qui va t'arriver? Tu sais ce qui va t'arriver?
j'en peux plus. Tu te lèves. Allez, hop, tu te lèves. Allez, sors. Allez, plus vite. Qu'est-ce que vous faites? Plus vite, j'en peux plus. Je t'embarque. Vous la laissez toute seule dans la rue, non? Oui, j'en peux plus. Et vous faites ça souvent? Donc, maintenant, je m'en vais. Et c'est tout. On n'a rien à dire là-dessus. Bon, allez, bien. Allez, tu t'attaches, d'accord? Tu t'attaches. Tu montes, tu t'attaches, d'accord? Tu t'attaches? Très bien. Allez, vas-y. Que vous gardiez votre calme, madame, d'accord? On ne peut pas laisser un enfant seul dans la rue. C'est interdit. C'est impossible de garder son calme, vous comprenez? Je n'y arrive pas. Alors là, c'est n'importe quoi. La mère est complètement hystérique. C'est pas de sa faute, la pauvre. C'est que c'est à cause de la petite. C'est une jeune mère qui est perdue. Le papa, il est très absent. Il est souvent pas à la maison. Et puis quand il est là, il s'occupe pas de la petite. Il s'occupe pas de la maison. Donc voilà, tout est tombé sur la mère. Donc ça va être un peu compliqué. Mais je vais leur parler et je suis sûre que ça peut aller mieux. Les deux, parce que je les ai observés et j'ai vu qu'elles s'aimaient beaucoup malgré tout, qu'elles rigolaient ensemble, qu'elles étaient vraiment... elles avaient vraiment une relation mère-fille quand même. Mais le problème, c'est que la mère réagit souvent comme un enfant hystérique. On dirait plutôt qu'elles sont sœurs. C'est très bizarre. Donc je vais leur parler et je vais résoudre ça en un claquement de doigts, parce que c'est très simple. Cette situation, je l'ai souvent eue. Et celle-là, elle est très très simple, parce que la petite est très très gentille et la mère aussi. Donc c'est parti, je vais leur parler. Donc je vous ai observé et j'ai vu que il y avait du potentiel, c'est-à-dire que cette situation, elle peut se régler très très facilement que si vous me faites confiance, d'accord? Il y a trop de cris, pas assez de compréhension entre vous deux. Madame, vous êtes très souvent hystérique. Il faudrait que vous vous calmiez un peu, que vous respiriez. Si vous avez envie de crier, eh bien, vous sortez et vous prenez l'air, parce qu'il ne faut pas crier sur un enfant. Il faut lui faire comprendre, parce que si vous lui criez dessus, vous lui montrez l'exemple. Et vous lui montrez qu'en fait, c'est en criant qu'on a ce qu'on veut. Et donc c'est pour ça qu'elle réagit pareil, elle crie aussi pour avoir ce qu'elle veut. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche la vie. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu aimes ta mère? Même pas, elle est un peu méchante. Mais tu l'aimes ta mère quand même. Ouais. Et vous aimez votre fille? Oui. Donc pourquoi tant de cris? Est-ce que tu peux demander quelque chose à maman sans crier? Ou sans pleurer? Je lui ai dit 5 tout à l'heure. Oui, mais maman, elle voulait pas que t'en manges 5. Elle a eu raison. Mais pourquoi? Parce que ça fait trop 5. Et puis, il faut pas se poser des questions. En fait, quand maman dit non à quelque chose, c'est pas pour t'embêter. C'est pour... Parce qu'elle sait, en fait, que cette chose-là n'est pas bien pour toi. Donc, elle t'interdit cette chose pour ton bien. Il faut que tu comprennes ça. Donc si maman elle t'en dit non pas 5, juste un seul ou juste 2, c'est qu'elle a raison, il faut que tu l'écoutes. Si maman elle dit pas de télé, il faut que tu l'écoutes. Si maman elle dit on va à la douche à cette heure-ci, c'est parce qu'elle sait quelque chose, elle fait ça pour ton bien, il faut que tu l'écoutes. Moi j'aime trop manger chocolat, c'est moi la reine de la maison. Il n'y a pas de reine, il n'y a pas de reine. Il y a une petite fille, une maman et un papa. D'accord? Vous comprenez? Oui. Vous avez compris? Oui. Qu'il faut s'adresser comme un adulte. Oui. D'accord. C'est très important. Oui. Là, je vais vous laisser. Je vais revenir demain et je vais vous regarder à travers ma tablette. Essayez de bien faire les choses et puis je vais revenir si nécessaire, d'accord? Oui. T'es fatiguée. Tu vas aller dormir. Ok, ça marche. Bon, bah, je vous dis à demain. Merci beaucoup. Pas de soucis. Dormez bien, bonne nuit. Merci. Au revoir. C'est au chocolat. Ah non. Tiens. Mange. Maigre.
C'est toi, t'es grosse, c'est pas moi. Ah, je suis super nanny la mouche. Ça commence bien, ça commence bien. Bon, je vous ai un petit peu observé à travers la tablette et j'ai vu que ça n'allait pas du tout encore une fois. Ça s'est amélioré on va dire, mais ça ne va pas mieux, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette fois, chut, je parle à maman. Tu me tiens plus. Tu te tais. Moi je me tais pas, t'es pas ma mère. Mais non, je t'écoute pas. T'es pas la loi, hein, t'es pas la police. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es pas la loi. Ça vous fait rire? Ah oui, mais non, ça va pas le faire. Hein. Si ça vous fait rire, c'est, ça va oui, pas pardon, le faire. Oui, pardon, allez-y. Allons-y. D'accord, alors là. Tu sais ce que tu viens de faire là? Tu viens de me faire mal. Je m'en fous. Tu t'en fous? Allez, tu t'aimes. Allez. Allez, hop. Allez. Tu restes là. Non. Tu vas même... Je déplace un peu votre petite déco là. Tu vas même... Maman. Non, il n'y a pas de maman là. Maman. Non. Maman. Tu restes là et tu bouges plus. Voilà. Tu bouges plus. Et ça, tu rangeras après tout ça. Non, c'est toi qui range. Tu vas ranger tout ça. Bon. Non. Je vais me mettre sur l'autre canapé parce que c'est pas possible. Tu te retournes. Stop. Reste comme ça. Je vais pas écouter. Ah, ça vous fait rire. Ah non, mais ça va pas le faire si ça vous fait rire. Je vais t'arracher l'oreille. Bon, allez, vous aussi. Donc, vous aussi, vous êtes un enfant. Non, mais donc, je vais me comporter avec vous comme si vous étiez un homme. Tu ne fais pas ça à ma mère. Madame Rigolute, vous pouvez venir avec moi, s'il vous plaît. Ouais. Diana, tu te retournes et tu te restes là-bas. Bon. Tu te retournes, Diana? Je vous explique. J'ai noté quelques trucs sur mon carnet. Il se pourrait que quand vous étiez petite, vous n'ayez pas eu d'enfance. Vous comprenez? Parce que là, vous vous comportez comme un enfant à l'heure d'aujourd'hui. Mais si, j'ai une enfance, c'est si. Non, non. Ah si, j'en suis persuadée. Non, non, moi j'en suis persuadée. Je suis pas née alors pourquoi je suis pas née à... Je suis pas née à 25 ans avec ma petite dans mon... Oui, d'accord, mais non, mais je veux dire, vous n'avez pas eu d'enfance. Ouais. C'est-à-dire que vous vous êtes comporté comme un adulte et, quand vous étiez jeune. Et maintenant que vous êtes un adulte, vous vous comportez comme un enfant. Je vais vous parler sincèrement, d'accord? Je pense que quand vous étiez petite, vous n'avez pas eu d'enfance. C'est pour ça que maintenant que vous êtes un adulte, vous vous comportez comme un enfant. Ah, ça vous a touché. Non, mais ne vous inquiétez pas. Déjà, vous pleurez comme un enfant. Il faut pleurer comme un adulte. La petite là-bas, elle rigole pas, tu te retournes. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez jeune? Vous n'avez pas eu de relation avec vos parents, c'est-à-dire... J'étais toute seule, finique, toute seule. Vous n'avez pas joué... Non. Et vous n'avez pas des amis Non. Ah, vous étiez coupée du monde. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait? À quel âge, à partir de quel âge vous avez travaillé, etc. À 14 ans. À 14 ans, vous avez commencé à travailler? Mmh. Ah, c'est quand même incroyable. D'accord, je comprends mieux. Écoutez, on va faire un exercice. Je vais vous dire des choses et vous allez me répondre, d'accord? T'es moche! Mmh. Répondez-moi! Toi aussi.
Tu pues. Tu pues aussi. Et tes lunettes, elles sont un peu bizarres. Hein. Toi aussi, hein. Ok. Donc, vous voyez là, par exemple. Vous vous êtes pas comporté comme un adulte. Un adulte dirait... Mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites que je suis moche? Qu'est-ce que je vous ai fait? Est-ce que je vous ai demandé votre avis? Donc, travaillez sur vous-même, d'accord? Si je vous dis, je veux pas ça! Vous allez dire quoi? Si votre fille vous jette quelque chose dessus, vous faites quoi? D'accord, vous lui répondez en lui jetant quelque chose dessus? Et vous savez parler? Oui. Ben parler. D'accord. Là, je vais vous expliquer un peu, je vais vous montrer ce que c'est d'être une mère, d'accord? Je vais me comporter avec votre fille comme si j'étais sa mère, d'accord? Vous regardez. D'accord. Est-ce que tu t'es calmée? Oui. T'es sûre? Oui. Qu'est-ce qu'on dit? Pardon. Voilà. Alors, tu viens. Tu peux sortir. Et tu vas ranger tous tes jouets là. On parle toujours fermement à un enfant. On parle pas comme ça, sinon il pense qu'il y a d'autres possibilités que de ranger. Alors que non, il n'y a que cette solution-là. Ou tu ranges, ou tu es puni. Et nous, on range pas bien sûr. Vous rangerez jamais pour eux. S'il range pas, c'est pas grave, il sera puni. 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à 3 jours s'il le faut. Mais il devra ranger à la fin. Il faut qu'il comprenne que s'il range pas tout de suite, il va ranger de toute façon un jour. Voilà. On peut aider l'enfant à ranger. Ça l'aide, ça l'encourage. Regarde bien. Ramène ça. C'est une technique. On fait ça là. Et on va tout couper. Voilà. On peut faire une méthode de jeu. L'enfant a encore plus envie de ranger si on lui montre que c'est un jeu. Là, il y en a encore plein là-bas. Hop. 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 Et hop. C'est fini. Est-ce qu'on a mis du temps, Diana? Non. On n'a pas mis du temps. Non, pas du tout. Est-ce que c'était bien? Oui. Je vais vous demander quelque chose. Là, vous allez faire semblant, entre guillemets, de sortir et d'avoir un rendez-vous. Et si elle réagit comme d'habitude à vouloir venir avec vous, qu'est-ce que vous faites? Non, maman, il va toute seule. Elle revient dans pas très longtemps. Tu restes avec papa. Il n'y a pas d'autre solution. C'est comme ça ou c'est comme ça, en fait. D'accord? Donc, allez-y. Montrez-moi. Moi aussi. Quoi? Moi aussi. Non. Mais pourquoi? Pourquoi moi je viens pas avec toi? Je vais à un rendez-vous tout seul. Non, vous parlez pas comme il faut en fait. Vous ne parlez pas fermement. Parlez fermement. Je vais à un rendez-vous. Il n'y a pas besoin de crier. Je vais à un rendez-vous. Tu restes avec papa. Non. Tu restes avec papa, il n'y a pas d'autre solution. Pourquoi maman tu dis non? Expliquez-lui pourquoi. C'est les nouvelles règles. Expliquez-lui pourquoi. On ne peut plus vivre comme ça parce que tu ne me respectes pas. Parce que dehors en plus il fait froid, il ne fait pas beau, il pleut. Leur rendez-vous est ennuyant et n'est pas pour les enfants. Enlève ça. D'accord. Tu restes avec papa, tu fais des jeux avec papa pendant que moi je m'en vais. D'accord. À tout à l'heure. Très bien. Bravo. Très bien, vous avez réussi. Par contre, seul petit bémol, c'est que vous criez. Il ne faut pas crier avec un enfant, d'accord? Oui. Vous pouvez lui parler normalement, il comprend. Ok? Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ressortir et vous allez rentrer et on va voir comment la petite réagit. Parce que la dernière fois, quand vous êtes sortie pour... qu'est-ce que vous avez fait, je sais plus, les poubelles ou je sais pas ce que vous avez fait, et bah vous avez dû toquer avant qu'elle puisse vous laisser rentrer. Et moi je veux que ça change, je veux que vous rentriez chez vous comme vous voulez en fait, d'accord? Donc allez-y. Maman elle est arrivée. Tu dois toquer, tu dois me respecter sinon tu viens pas.
regarde-moi. Voilà. J'ai pas envie de te regarder tes manches. Bon, tu viens. Parce que tu ne comprends pas quand on parle. Alors, tu vas venir. Non. Allez, tu avances. Tu connais la place maintenant. Je t'en prie, regarde. Tu me regardes. Tu me... Eh ben, tu sais ce que tu vas faire? Non. Tu es privé de télé, de tablette, de tous les écrans, de dessert, de tout. Parce que tu ne me respectes pas. Tu te tournes maintenant. Et si tu continues à pleurer? Mais tu peux pleurer, ça ne changera rien, ma petite. Arrête de me taper. Je te tape pas. Je te tape pas. Je te tais maintenant. Je te tais maintenant. Très très bien, vous avez très bien réagi, je suis très très contente. Je pense que là mon travail est fini, je vais quand même rester un petit peu pour voir votre relation. Mais je pense que ça ira de mieux en mieux, d'accord? En tout cas, restez comme ça et surtout, même si un jour vous êtes fatigué, vous êtes malade, continuez à garder ce rythme là, d'accord? Ne vous laissez pas faire. Okay. Oui, bon, allez. Merci. Voilà, merci, je m'en vais. Super Nani. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Au revoir, ma petite bien. Tu sais, maman, elle est fatiguée, elle est pas très bien. Donc il faut que tu embêtes pas trop maman, d'accord? Je te fais confiance. Je te regarde à travers la tablette, hein. Je te surveille, ok? Allez. Ça va aller. Au revoir. À bientôt au téléphone. Oui, je vous tiendrai au courant. Allez, mon travail est terminé. Oui. Au revoir. Je suis en train de les surveiller à travers donc ma tablette. Ça se passe très très bien. C'est bien. Elles ont vraiment une relation mère-fille, ça y est. La mère est devenue un peu plus adulte. C'est vrai que elle s'en prenait beaucoup à sa fille et elle lui en voulait beaucoup, on sait pas pourquoi. Et là elle comprend que c'est pas de la faute de sa fille si elle n'a pas eu d'enfance elle. Très très bien. Bravo. Je suis très contente. C'est parfait, franchement, elles se sont mises d'accord sur une solution. Elles ont trouvé une solution à toutes les deux. Là ce sera le parc et la prochaine fois le cinéma. C'est parfait. Rien à dire. Très bien, franchement, bravo à toutes les deux, je suis très très contente. Voilà, j'ai réussi ma mission, je suis très très heureuse de encore unir une nouvelle famille et je vous dis à très bientôt pour une prochaine famille.